Wesh les gars, pourquoi c'est la coupe longue? Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un truc. Donc voilà. Donc bon, voilà, nous n'avons pas passé que par 40 000 chemins. Donc c'est un Avermedia. Donc voilà, un Avermedia que j'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, donc il est ici. Il est là. Voilà. Un Avermedia. Voilà. Avec le prix ici. Avec le prix. Voilà, avec le ticket de caisse, enfin le ticket de caisse qui a un peu pris la pluie, tu vois. Et puis voilà, donc le prix ici, c'est 200 euros, il est le prix. Donc voilà. Donc avec la garantie et tout, bref, ça, on s'en bat les reins. Donc voilà, donc là, je vais vous présenter l'Avermedia. Donc voilà, en gros, c'est ça, LGP Lite qui a coûté 100 euros. Et puis voilà, donc que j'ai acheté aujourd'hui. Et puis voilà, donc il se présente comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est un Avermedia pour ceux qui ne savent pas? Bon, je pense que vous savez, mais je le dis quand même pour ceux qui ne savent pas. Donc, un Avermedia, en fait, c'est un petit boîtier qui permet d'enregistrer l'écran de sa PlayStation 4, de sa PlayStation 3, en tout cas, l'écran de sa console de jeu. Donc voilà. Donc voilà. Donc, je l'ai enfin eu et faire aussi des lives. Vous pouvez aussi faire des lives. Et puis voilà. Donc, les gars, nous allons déballer ça. Donc voilà. Bon, là, j'ai pas de couteau ou un bail comme ça. Des ciseaux, j'ai peut-être. Mais bon, bref, nous allons faire ça avec nos mains. C'est pas grave, avec nos petits doigts. Ah, sa mère, la reine des. Ah, déballe-toi avec ta tête là. Attendez. Vous savez quoi, ce sera plus simple de prendre le ciseau, j'arrive. Donc voilà les gars, j'ai pris un ciseau. Tac. Ah, je les déballe. Voilà. Ça sera bon en plus. Alors je rigole, ça sera rien du tout. Donc voilà. Avermedia. Et puis voilà. Donc, on ouvre comment ce bail-là? La boîte, elle est tellement belle, tu sais, que t'as même pas envie de la niquer, tu vois. Bon bref. Comme ça, ah ben voilà, je suis con. Ah, comme ça, voilà, comme ça. Ah, il y a même tu sais, les bails et tout qui t'explique comment faire. Bref, ouais, comment brancher les bails et tout. Et voilà le fameux Avermedia. Oh shit, oh, faudrait pas déjà l'abîmer, ce serait trop dommage. Eh, mais c'est léger. C'est léger. Ça sent bon par contre. Hein. Pouf, ça sent bon. Tu sais. Oh putain, même la boîte, elle sent bon. Oh bref, c'est fou, c'est un truc de ouf. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ah, ça c'est pour brosser, t'as. Ok, ça c'est pour brosser. Ok, c'est pour brancher. Et ils ont pas perdu le temps, fou. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça comme ça, fou. Ils ont pas perdu de temps. Ils s'en battent les couilles. Donc voilà, comme ça. Donc voilà, regardez. Juste pourquoi? Juste pour. Comment? Juste pour brancher des HDMI pour raccorder à la console et tout. Ah, bref, c'est une. Tu sais, c'est. Bon, bref. Donc là, t'as in et out. C'est l'entrée. Bon, nous allons installer ça sur l'ordi. Après, je vais vous montrer. Voilà. Donc, voilà les gars. Comme vous le voyez, ça marche parfaitement bien. Là, il y a l'écran. Là, il y a mon écran auquel je joue. Là, il y a l'écran auquel c'est en train d'enregistrer. Donc, voilà, j'ai tout bien branché comme il faut. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer en vidéo vite fait comment c'est. Enfin, voilà. Et puis, voilà quoi. Vous montrer la capture d'écran. Enfin, en vidéo quoi. Vous montrer le gameplay, on va dire. Donc, voilà. Donc voilà les gars, donc là nous sommes sur Black Ops 3 PlayStation 3 et puis voilà. Donc comme vous voyez, ça bug pas, enfin c'est parfait quoi. Bon oui, les graphismes de BO3 PS3, voilà, ça fait la merde, mais je veux dire, l'Avermedia ne fait pas bloquer la vidéo et puis voilà quoi. Donc à partir de maintenant, je vais vous proposer des vidéos sur des jeux comme Black Ops 1, Black Ops 2 et tout, faire retour à l'ancienne parce que vous voyez toujours des vidéos Black Ops 3, enfin, toujours des vidéos, tu sais, toujours des vidéos de nouveaux jeux. Alors moi, j'ai envie de vous faire des jeux, tu sais, être un peu original et faire des jeux PlayStation 3 au lieu de faire des jeux PlayStation 4. Bien sûr, je vais faire, bien sûr, tous les nouveaux jeux et tout qui vont sortir, je vais jouer, mais
Voilà, mais pour avoir aussi un côté original sur la chaîne, je vais aussi faire des jeux PlayStation 3 que pas beaucoup de monde en fait maintenant, tu vois. Parce que le but, quand même, quand t'as une chaîne YouTube, c'est d'être un minimum original, tu vois. Et puis voilà. Donc le gameplay est plutôt pas mal, mais bon, je vais pas vous mettre tout le gameplay. Et puis voilà. Donc voilà, le mec qui se cachait là, je l'ai tué. Fait, mec, c'était Renoob, tu vois. Bon, bref. Donc, en tout cas, voilà, le gameplay, il était bon. Et puis voilà, très satisfait de ce gameplay. Mais malheureusement, je vais pas vous mettre toute la vidéo. Sinon, parce que la vidéo risque de durer longtemps. Et puis voilà. Donc voilà, les gars. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui perd dans le sel. Et vous abonner à cette chaîne pour savoir si je serai en prochaine vidéo. Quand je serai en prochaine vidéo. Donc voilà, franchement, voilà, n'hésitez surtout pas à t'abonner. Parce que ça fait toujours plaisir. Bye. Et rendez-vous 19h. Non, rendez-vous 20h vidéo Fortnite. Et puis voilà. 22 kills.